Ah là là, quelle bonne journée à Color City! Regardez-moi ce beau soleil, comment il est super beau! Et du coup, aujourd'hui, je suis censé retirer du coup beaucoup d'argent à la banque, vu que j'ai fait, bon, j'ai fait un petit business avec Gaby qui m'a rapporté beaucoup d'argent! On a vendu des hot dogs dans un petit stand pas très loin du petit stand de police. La 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 la, quelle belle journée! Oh, je danse! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Qu'est-ce qui se passe là-dedans là? C'est quoi ce délire? Je bouge pas! Gaby, qu'est-ce qui se passe? Allez, Shadow, s'il te plaît, il est en train de me menacer. Mais faut que tu nous libères. Mais non, il faut bouger pas tous les deux. Mais comment on fait pour que je nous libère? Et bah pour que je le libère, c'est ça, foutez les 80 000 abonnés, attention. S'il te plaît, abonnez-vous. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, on n'a pas le choix. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pitié, sinon il va nous tuer. Il faut... Wow, pardon, voilà, pardon. Abonnez-vous, attention. Mais bon, bref, là, c'est la journée où je dois récupérer du coup... Wow, c'est quoi ce truc? On va aller voler tous les diamants. À moi, c'est parti! Il y a un voleur devant! C'est la première fois de ma vie que j'en vois un Color City! Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Attends, faut que je le suive! C'est quoi? On va l'espionner, on va essayer de prendre des photos, mais c'est pas normal qu'il y ait des voleurs à Color City! Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il y a personne! Oh non! Mais c'est parti! Oh les mains! Je suis le voleur! Il va faire un braquage! Je le suis, les gars! Il me faut des preuves! Non, mais ils sont les policiers là! C'est quoi ce délire? Ils sont. Ok. Comment il a pu rentrer aussi facilement? Bah oui, il a un flingue! Quoi? Il pose des TNT! Allez, on va tout faire casser! Qu'est-ce qu'il fait là? Non, oula! Non, la banque! Oula, j'espère qu'elle est sécurisée, que ça va marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est le jackpot, c'est parti! Quoi? Attends, il a vraiment réussi à rentrer dedans en plus! Oulala! Il est en train de tout récolter! Bon, va falloir que j'appelle la police vite! Bon, attends, y a qui comme policier aujourd'hui? Bon, c'est pas grave, j'appelle le numéro! Allô la police? Allô? Ouais, allô? Ouais, venez tout de suite à la banque, y'a un voleur qui est en train de braquer la banque! Y'a un voleur qui braque la banque? On arrive tout de suite, on touche pas aux sous, hein! Ok, je reste là, je vous attends! Ok, c'est bon, normalement les gars, les flics sont censés arriver! J'espère que la police est quand même réactive à Color City! 5 minutes later. Oh, mais ils prennent du temps là, c'est quoi ce délire là? Depuis tout à l'heure, je suis en attente, ils sont toujours pas arrivés là, faudrait que. Oh non, c'est bon, ils arrivent! Voilà, c'est bon! Ok, je me suis sur le côté, pardon, je me suis sur le côté. C'est vous le voleur de la banque, c'est vous? Mais vous êtes débile, c'est moi, je vous ai appelé! Ah, ok, d'accord, tant mieux. Bon, pas touche à la banque, hein, vous avez pas le droit d'entrer à l'intérieur. Oui, moi je reste là. Bon, en fait, c'est bon, je reste là. Bon, vous voulez pas des informations sur le voleur? Donnez-moi un maximum d'informations, je vais essayer de voir son comportement. J'ai pas envie de parler avec vous, je vais parler avec ce policier là. Bon, c'est un villageois, ok? Ouais. Avec un bandana rouge sur la bouche. Il y a forcément, les villageois, ils ont des grenets, donc il y a son grenet qui dépasse. C'est vrai qu'ils ont un énorme pif. Ah bah ça. Vous êtes d'accord, hein? Ah, c'est le cas de le dire. Mais bon, attends, il y a quand même un braquage à côté de nous là, actuellement. On se calme. Ouais, c'est vrai. Faut En plus, il vole de l'argent. Non, ouais, c'est très grave. Il est armé, c'est très important. Il est armé et il est habillé en une tenue noire, ok? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais me cacher derrière votre voiture comme ça et je vous laisse aller le voir. On va essayer d'aller négocier avec lui. Ok, parfait. Bon, allez, regardez la scène tranquillement. Vous êtes cerné, sortez immédiatement de la banque. Allez, sors. Allez, dépêchez-vous, vous êtes cerné, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes obligé de vous rendre. Non, je sortirai pas, vous l'aurez bien voulu. Il veut pas sortir. Oh, tu tiens à ta vie, gamin. Bien sûr, mais vous m'aurez jamais. Allez, sortez immédiatement. Non, je sortirai pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? C'est quoi? Tu veux me rapprocher un peu? Ah ouais, tu veux pas sortir, hein? Eh ben... Paf! Il aura tiré sur le banc là, c'est quoi ce délire? Oh, hop là, allez sort! Mais c'est tout ce que vous avez! Non mais il va jamais sortir, c'est pas possible! C'est quoi ce braquage là? On a un problème, il veut pas sortir de la banque. Oh, c'est bien vrai, hein. Bon, allez, viens, on va le voir. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, il veut pas sortir, hein. Nous on va y aller, c'est bientôt la pause. Tu vas pas rentrer toi aussi? On va devoir faire la pause là bientôt, il faut qu'on aille rentrer, hein. Mais il y a un braquage, il y a pas de pause, il y a un braquage, hein. Comment ça vous faites une pause alors qu'il y a un braquage sous les yeux? Bah il veut pas sortir, tu veux qu'on fasse quoi? Non, au pire, je vais aller espionner vite fait et je reviens, ok? Ok, vas-y. Ok, bon. Attention à toi quand même, gamin. C'est quoi ces incapables? Regardez là, ils passent leur journée à manger des donuts là au lieu de venir faire leur travail. Bon, attention à toi. Oui, bon, allez, c'est bon, allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est où? Est-ce qu'il est toujours là? Non, il est passé. Quoi? Il a vraiment presque tout récupéré déjà, c'est quoi? Il est plus là? Attends, mais il est passé où? Bouge de là, je suis derrière toi, mais pardon, je bouge pas, ok? Ouais, allez, sors vite! Ok, allez! Pardon! Bon, les gars, faut qu'on parte, c'est super dangereux, bon! Les policiers là! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attends, proche du nord, toi, réveille-toi, bon! Et moi, j'ai pas d'armes, tout ce que je sais, c'est qu'il a tout pris, c'est trop tard, allez-y, sinon! Bah, vous serez banni de la ville en fait, hein, je vous dis direct, donc voilà, allez-y! Non, ah ouais, je suis quand même le chef de la ville, quand même, au bout d'un moment, allez-y! Voilà, foncez-le dessus! Attrapez-le!
Bon, c'est bon. Interruption, allez, hop, hop, hop. L'opération commence. Bon, est-ce qu'ils vont réussir à le choper? Oh, ça tire dans tous les sens. Bon, c'est toi qui vont l'avoir. Arrêtez-vous, attrape-le, attrape-le, il est juste là. Allez, qu'est-ce qu'il fait vers là-bas? Attends, mais ils sont... Mais il a réussi à... Mais attends, mais les policiers, là, attends, faut que j'aille les voir. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Oh, wow, vous êtes où? Attends, il est parti par où? Par là-bas, allez, c'est bon. Par là-bas, on est en train. Ouais, derrière moi. Je vais essayer de m'occuper de lui moi-même parce que c'est des incapables, les policiers. Et si je me rappelle bien, je crois qu'il est passé par là. On pourra les appeler plus tard pour l'intercepter une fois que je l'aurai. Il est où? Non, il est pas là. Oh, peut-être derrière là-bas. Il est juste là, regardez-le, juste là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire là? J'ai enfin semé les flics. Attends, ils sont pas là, non? Allez, on va continuer. Mais c'est nul, en plus, regardez. On est à côté du poste de police. Bon, faut que je le suive avant de le perdre de vue. Non, il est juste là. Ok, parfait, on va le suivre. On va pas le lâcher. Ok, parfait, y'a personne. Allez, je vais aller dans mon passage secret. Ouais, non, y'a personne. Y'a pas de passage secret? Qu'est-ce qu'il raconte là? Y'a aucun passage secret là-bas, ce que je vois. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Bon, y'a pas l'air d'avoir grand monde. Allez, c'est parti. Quoi? Ok. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On dirait qu'il y a un code secret, c'est quoi ce délire? Attendez, je vais me rapprocher discrètement par là. Faut pas qu'il me voit, Ok, reste là, comme ça. Voilà, parfait. Là, je suis bien caché. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ok, parfait. Allez, mon passage secret. Oh, quoi? Allez, c'est parti. Mais c'est quoi ce truc? Vite, faut que j'y aille, vite. Non! Ça s'est refermé. Attends, mais comment il a fait pour l'ouvrir? Attends, il a cliqué quelque part ici, je comprends pas comment il a fait. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire qu'il a vraiment une base secrète qui est juste en dessous, à côté du poste de police en plus. Alors, en même temps, c'est normal, c'est l'endroit vraiment où personne irait chercher. Enfin, au moins que je trouve une solution pour passer pour le suivre pour appeler la police. À la limite, je pourrais essayer de demander de l'aide à la sorcière. Où est-ce qu'elle traîne encore celle-là? Oh, la sorcière! Mais attends, normalement, elle est sur près des arbres comme ça, là. Je la vois pas. Elle m'a entendu. Oh, elle est juste là. Coucou! Salut! Comment tu vas, la petite sorcière? Oui, ça va. Alors, comme ça, on poursuit des volets. Mais oui, mais elle est au courant de tout, celle-là. C'est pas possible. Bon, j'ai besoin de ton aide. Là, j'ai quelqu'un qui. Bah, il y a un voleur qui s'est enfui. Il a ouvert cet arbre bizarre. J'ai envie de savoir comment je fais pour le suivre. Oui, mais je suis déjà au courant de tout ça. Bah, aide-moi du coup là, faut que j'appelle la police. Mais malheureusement, je ne peux pas t'aider. Bah, pourquoi tu veux pas m'aider? Je suis prêt à te payer avec des émeraudes, de tout ce que tu veux. Non, c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Mais super bizarre, pourquoi c'est trop tard? Oui, j'ai déjà passé un pacte avec le voleur. Quoi? Mais il t'a demandé de faire quoi? Il t'a demandé de faire quoi? Ça, tu le verras bien. Allez, abracadabra. Ok, qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Tu m'as jeté quoi? Allez, bonne chance à toi, tu verras par toi-même. Quoi? Bonne chance à moi? Mais de quoi elle me parle? C'est quoi ce délire? Bon bref, faut trouver un moyen quand même de passer. Est-ce qu'il est par là? Les policiers, pardon. C'est lui. Mais c'est pas moi, je vous l'ai dit, c'est moi qui je vous ai appelé tout à l'heure. Le voleur est passé. Vous êtes en état d'arrestation. Et bon, il est passé en dessous, je l'ai vu, c'est pas moi encore une fois, vous êtes débile ou quoi? On te reconnaît quand même, tout à l'heure c'était un poulet et là t'es un brigand. Mais non, mais moi je suis Shadow. Quoi? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Oh, c'est la sorcière! Je vous promets que c'est moi le poulet! C'est toi qui a braqué. Mais non, je suis le poulet de tout à l'heure! Ouais, c'est ça, ouais. Allez, direction le poste. Pardon. Dépêche-toi, avance. Les gars, mais c'est ça qu'elle m'a fait, la sorcière! C'est quoi ce délire? Allez, pardon, ok, j'avance. Bon, bah. Dépêche-toi! Ok, bon, on n'a pas le choix, on va falloir qu'on les suive. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? En fait, je crois qu'il lui a demandé qu'il me transforme en. En lui, en fait, pour que je me fasse arrêter à sa place. Mais comment je vais faire là? Je suis foutu là, je sais pas comment m'en sortir. Mais c'est le poulet. Mais je vous promets, il a une base secrète sous un arbre. On te croit pas du tout, mais ça sera bien. Ok, bon c'est pas grave, les gars. Je sais pas comment m'en sortir. Bon vous allez me faire quoi là? Je suis au poste de police. On va te juger. Ouais, on va te juger. Allez, tu t'assois ici là, directement ici là. Ok, je m'assois. Allez. Voilà, allez. Je suis foutu. Nécessaire. Alors hop. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'ai trop peur. Les gars, faut vraiment que je trouve. Faut que je trouve le moyen de. Est-ce que je peux appeler des amis à moi? Ils vont vous prouver que c'est moi. Oui, vous pouvez le faire. Bon, il y a toujours des témoins. Bah si vous voulez. Vous là, le policier, allez chercher Gamy qui habite juste à côté là, à gauche, ok? Ok, pas de soucis. Tu le gardes bien un jour, hein, parce qu'il je le garde en vue, okay, et tu le bouges pas. Je bouge pas, bon, je le pointe, je pointe, je pointe, et je pars. Ok, bon. Les gars, on a pas le choix de devoir attendre. J'espère que Gamy va me reconnaître quand même, parce que c'est moi, même si j'ai pas la même tête, c'est vrai, à cause de la sorcière, mais c'est bien moi. Je peux appeler Emma aussi? Bien sûr, tu peux appeler, oui. Ok, bon. J'espère qu'elle va m'aider aussi. Normalement, vu qu'elle m'aime bien, elle va me reconnaître, même si j'ai pas la même tête. C'est quand même longtemps que j'attends. Là, regardez là, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de boire sa bouteille, là, j'en peux plus. Bon, mais.
ça arrive. Nul. Attends, Emma, toi aussi t'es convoqué? Bah ouais, c'est trop bizarre là, tu sais pourquoi on nous a convoqués? Bah non, j'en ai aucune idée, mais j'en ai marre d'être ici là. Ouais, c'est vraiment trop bizarre. On va voir les policiers là. Ouais, t'as pas fait une bêtise, on a pas fait une bêtise. Non, une bêtise non, je te promets que non, et toi non plus t'as rien fait. C'est bizarre, bon. Bonjour, vous calmez. Vous calmez, ok. Alors, à ce qui paraît, personnage ici, ce serait un poulet du nom de Shadowbass. Est-ce que vous le reconnaissez? Salut, vous me reconnaissez? Quoi? C'est qui ce guignol avec son nez là? N'importe quoi, Shadow, c'est pas lui du tout. Ah, si, d'accord, c'est moi, ça, c'est moi, je vous promets, c'est moi. Non, c'est pas toi, non. Il ment. Mais quoi, Gaby? Mais arrête, mais tu me reconnais. Enfin, je sais que. Mais c'est... je te promets que c'est moi, faut que tu lui dises pour qu'il me libère. Emma, je pense que c'est un fan. Bah, ça doit être sûrement un fan, ouais. Trop bizarre, ouais, je pense qu'il veut se faire. Mais c'est Shadow, c'est moi, c'est Shadow, je vous promets. Je peux te dire que c'est pas toi là. Mais je suis enfermé dans un. Je suis enfermé. On m'a changé. C'est la sorcière, elle a changé mon apparence là. Elle m'a donné l'apparence d'un brigand qui a fait n'importe un truc. Quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, oui, n'importe quoi. Shadow, je le reconnais, hein, et c'est pas toi. Bon, bah écoute, tu les as bien entendus. Mais... Allez, hop, suis-moi. Non, les gars, c'est moi. Allez, hop, salut. Je vous promets que c'est salut. Moi. Non, arrêtez. Ils m'ont pas reconnu. C'est quoi ces faux amis là? En même temps, on peut pas leur en vouloir là. Oh là là, j'en peux plus. Bon, bah, direction la prison, j'imagine. Ah bah, en pif. Oh là là, bon bah. Après, je vais finir en prison, c'est quoi ce délire? J'ai pas resté à vie quand même. Non, non, ne t'inquiète, c'est juste le temps de savoir si tu vas avoir le verdict pour être banni de la ville ou pas. Oh, je vais être banni de la ville? Oh, peut-être que oui, peut-être que non, t'as quand même braqué une banque, hein. Mais c'est pas moi! Bon, c'est pas grave, allez, bon, direction la prison. Banni, banni! Oh là là. Salut! Oh là là. On ne veut pas de toi dans la ville! Non! Ils vont voir quand je vais reprendre ma vraie forme! Ok, bon, bah, c'est l'entrée de la prison, j'imagine. Bon, oh, allez, avance. Ok, pardon, pardon! On n'est pas pour discuter, on est là pour te mettre en taule. Ok, ok, bon, c'est laquelle ma cellule du coup? Avance, je vais te montrer. Ok, bon, bah. Il y a un collègue qui t'atteint. C'est quand que ce sort, il se retire là, que tu puisses être. Oh non, il y a encore l'autre policier là-bas. Allez, avance! Ok, ok, mais pardon, j'avance. Bon, ok, bon. Ah, le voilà! Ouais, bah c'est bon, je suis là, ouais. Allez, tu rentres directement à l'intérieur. Ah, c'est ma cellule là-dedans. Ok, bon, bah, ok, bah, c'est super. Bon, bah, c'est ma cellule. Allez, tu vas passer ici le temps que, voilà, quoi, il y a le verdict. Ok, parfait. Bon, j'ai pas envie d'être banni de la ville, j'espère que je vais reprendre ma vraie forme. T'as les toilettes qui sont directement là, et t'as un lit aussi. Ouais, avec une petite bon, bah, j'ai vu ça. Bon, dans voilà, tous les cas, je vais être libéré. Donc, voilà. Je vous dis, je vais être libéré. Voilà. Vous allez voir ça. Bon, bah, t'as pas intérêt à sortir quand même, hein, parce que sinon. Ok, ok, bon, bah, ouais, je reste là. Ouais, t'es encore là, toi, 10 ans que t'es là, ça commence à me saouler. Arrête de te moquer de toi, t'es un malade ou quoi? Oui, tu parles mieux à la police, hein, tu sais pas ce que. On sait tous ce que t'as fait il y a 10 ans. Mais j'ai rien fait du tout, j'étais emprisonné pour rien, t'es un malade ou quoi? C'est qui ce type? C'est qui ce type? Ouais, je te conseille d'aller dormir, t'as les yeux rouges, mon gars. Ouais, je vais aller dormir. Attends, c'est qui ce type? Faut que je discute un peu avec lui, faut que je sache. Comment il s'appelle? Oh, toi là, tu t'appelles comment là? Oh! Mais il se réveille pas! Oh, réveille-toi là, au fond là! Wow, wow, mais t'es un malade à me crier dessus, toi ou quoi? Et tu t'appelles comment, toi? Je t'appelle comment? Moi, c'est Bob! Ah, Bob, ok! Mais qu'est-ce que tu fais en prison, toi? T'as fait quoi? Moi, j'ai rien fait! J'étais emprisonné pour rien! Et toi, t'as fait quoi, toi? Bah, moi, pour le coup, j'ai vraiment rien fait! Je te promets que. En fait, ça va te paraître bizarre, mais c'est pas ma vraie forme là! Je suis juste. On m'a transformé en criminel alors que moi, j'ai rien fait, en fait, de base! Mais t'es bête ou quoi? Tu crois que je vais te croire? Mais y'a une sorcière dans la vie! Attends, mais il me croit pas! C'est vraiment une sorcière qui m'a transformé! Mais n'importe quoi, tu crois que je vais croire à tes bêtises là? C'est bon, comment tu discutes avec lui, les gars? Regarde ses yeux, ils sont tout rouges, il est fatigué. Va te coucher, c'est bon. Eh, ça y est, je vais retourner dormir, toi. Allez, va dormir. Il peut pas nous aider! Il me croit même pas alors que c'est vraiment la vérité. Bon, là, je pense qu'on a pas le choix, on va devoir s'endormir et attendre du coup le verdict. J'espère juste que je vais être libéré, que je vais pouvoir retourner à bah, ma vie normale, quoi. 2 hours later. Ok, la cellule est là, combien là? 17, 18, ok, par là. Hop, allez, on va le faire. Qu'est-ce qui se passe là, bro? Dans ma cellule? Tu es en état d'arrestation, maintenant tu vas devoir sortir de la ville, tu es banni! Quoi, je suis banni de la ville, mais j'ai absolument rien fait! Le verdict a été fait. Écoute ça, c'est parce que le juge a décidé. S'il vous plaît, non, arrêtez! Allez. Non, Bob, dis-le! Ciao, le nulos! Ciao, à la prochaine! Mais je t'ai raconté l'histoire! Y'a personne pour me défendre! Bon, j'ai pas envie de balayer de la ville! Je suis le maire de la ville! Y'a ma statue qui en. Mais vous rendez compte, monsieur policier, y'a ma statue qui est juste là-bas! Bah non, ça c'est la statue de Shadow! Je suis Shadow! Non, tu n'es pas Shadow, tu es tout sauf Shadow! Je me fais bannir de ma propre ville! Mais comment je vais faire pour survivre dehors avec. Oh! Avec les monstres, je serai à l'extérieur du dôme? Exactement, tu seras à l'extérieur du dôme! Bah les gars, c'est bon, aucun moyen de rentrer! Je suis foutu! Ok, donc normalement là on est à la limite du dôme de. Non, laissez-moi! Laissez-moi! Non! Aïe!
Waouh, waouh, où est-ce que... avance. Je suis où, là? Attends, c'est bon, je suis à l'extérieur du dôme. T'es à l'extérieur du dôme, pitié. C'est fini pour toi. Non, pitié, laissez-moi rentrer. Ah, voilà, on est à la barrière protectrice de Color City. Lâchez-moi, non, j'ai pas envie. Le dôme. Pas à l'extérieur du dôme, non, non. Allez, hop, tu avances. Waouh, waouh. Je te lâche. Non. Tu es officiellement banni de la ville. Non, non, s'il vous plaît. Non, voilà. Je peux pas rentrer. Il y a le sort de la sorcière qui m'empêche de rentrer, s'il vous plaît. Il y a plein de monstres à l'extérieur. Oh, mais ça, c'est plus mon problème, hein. Mais je peux revenir au moins de ces quatre à Color City ou je suis banni à vie? Tu es banni à vie. À vie. Bon, allez, amuse-toi bien à l'extérieur du dôme avec les monstres. Non, hein. Non, s'il vous plaît. Ouais, nous, on va dormir dans notre lit bien chaud. Mais non, je suis Shadow. Non, non. Bon, bah, super. Bah, y'a personne qui me croit. Du coup, là, ouais, je suis bien à l'extérieur du dôme. Comme vous voyez, du coup, c'est le sort que la sorcière fait sur Color City pour empêcher, du coup, les monstres de rentrer. Sauf que le problème, c'est que là, du coup, je suis à l'extérieur du dôme. Ce qui veut dire que je peux croiser vraiment tout n'importe quel type de. Salut. Bon, là, c'est une vache, ça va, mais plus je m'éloignais, plus je suis tombé sur des trucs un peu bizarres. Bon, pour l'instant, j'ai un peu de chance, vu que du coup, je suis à l'extérieur, mais il fait encore jour. Mais dès qu'il fera nuit, je vais croiser plein de monstre. Allez, c'est quand déjà que je reprends ma vraie forme? Vous savez quoi? L'objectif, trouver le moyen de rentrer à Color City et de reprendre ma vraie forme de Shadow, quoi, ma vraie tête. Parce que là, bon, j'ai quand même la tête d'un criminel. J'étais banni de ma ville à tort, là, quand même. Bon. Quoi, il y a un village? Mais dites pas, non, je crois que c'est le village de Jam. C'est le village natal de Jam! Par chance, il est peut-être là-bas en vacances. Ok, voyons voir qui est là. Bon, il y a quand même pas mal. Bon, en fait, j'ai peur que je sois quand même un voleur aussi dans cette ville-là, vu que j'ai quand même le corps d'un criminel, donc on sait jamais. Alors, voyons voir. Non, c'est bon, personne m'a vu. Bonjour, bonjour. Il y a pas. Oh! Quoi? Y'a Jam là-bas! Jam! Jam! Je suis derrière toi, Jam! C'est qui m'appelle? C'est moi, ah, c'est non, moi! Non, pas toi, tu pars, toi, non! Envoleur, envoleur! Oui, voleur, voleur! Voleur! Attendez, mais je suis pas un voleur, Jam, c'est moi! Non, 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 t'es un voleur, je te reconnais! Mais c'est vrai que j'ai la tête d'un voleur, mais Jam, c'est la sorcière, elle m'a piégé, c'est Shadow! Mais ça peut pas être Shadow, c'est un poulet, toi tu ressembles pas à un poulet! Mais c'est ce que je t'explique, c'est la sorcière qui m'a transformé en criminel! Menteur! Quoi encore? Menteur, vous voulez quoi? Vous, mais s'il vous plaît, les villageois, aidez-moi. Je suis de votre. On est de la même famille, regardez. Non, on n'est pas de la même famille, tu nous as volé aussi. Non, mais écoute, c'est un cousin très éloigné, je pense qu'on peut l'aider un peu. Eh bah, tiens, je te donne une canne à pêche. Ouais, je veux bien, attendez. Ouais, allez, parfait, merci, Gaspard. Merci beaucoup. Merci, oui. Gaspard, merci, Jam, mais je peux pas rester avec vous au village. Non, voleur, tu dégages. Voleur, allez, bouge. Bon, bah, je dois y aller. Les gars, c'est qui ce criminel là? La sorcière m'a enfermé dans le corps d'un mec qui a fait plein de crimes partout, même dans le monde. C'est même pas à Color City, c'est même dans le monde. Oui, allez, dépêche-toi. Oui, pardon, je pars. Allez, on veut plus te voir en ville. Pardon. Oh là là, mais regardez, une course en plus. C'est pas possible, je suis banni de partout. Va falloir que je trouve vraiment un moyen. Bon, déjà, j'ai une canne à pêche, je peux survivre. J'ai trouvé quand même un petit. Bon, j'ai quand même un peu à manger par là. On va essayer de tuer des cochons. De toute façon, on n'a pas le choix. On va devoir manger avec les moyens du bord. Là, il y a plus les pizzas de Kevinito. Ça va me manquer quand même. Les petites pizzas de Kevinito. Non. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre un peu de manger avec nous. Allez, les cochons, venez par là. Bougez pas. Allez, venez par là. Parfait. Bougez pas. Ah, voilà, c'est bon, nickel. J'ai une canne à pêche pour du poisson aussi, ça peut être pas mal. Ah, j'en peux plus, ça mord pas. Depuis tout à l'heure, ça mord pas. C'est quoi ce délire? Bon, on essaie de passer de. Oh, 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 wow. Il y a qui là-bas? Attends, des gens à l'extérieur du dôme? C'est quoi ce délire? Oh. Ah, moi, Shaloka, je veux trouver un moyen de pécho Mamako. Quoi? Attends, de quoi il parle? C'est qui Mamako là? Quelle langue il parle lui? Il faut qu'elle soit ma femme. Quoi ce délire? Il essaie de pêcher quoi là? Je vais essayer de pêcher un poisson pour le village. Peut-être que Mamako va aimer. Oh quoi? Attends, il y a un village à côté en plus? C'est quoi? On va attendre qu'il pêche un truc et on va le suivre jusqu'au village. Ah, faut bien que je survive. Allez, la canne à pêche. Allez, la canne à pêche. Allez, la canne à pêche. Il parle bizarrement, on dirait qu'il est pas trop d'ici. Allez, la canne à pêche. Oh, Shaloka a trouvé crevette. Il a trouvé une crevette, bon, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je vais l'amener au village. Oh, c'est bon. On va le suivre. Bon, oh, attends, mais il était juste là depuis le début. Oh, c'est vrai qu'il y a des fumées de fou. Oh, c'est quoi ce village? Attends, faut pas qu'on le lâche. On va essayer de le suivre discrètement pour voir bah, si je peux vivre avec eux quand même. Allez, hop, on passe par là tranquillement. Et qu'est-ce qui. Il sera de faire quoi là? Oh, ah, Shaoka, t'es arrivé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qu'ils sont. Attends, mais je crois que c'est une tribu indienne en fait. Je viens en paix. Oh, salut. Oui, bonjour, vous êtes le chef du village? Oui, je suis le chef de la tribu. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous vous appelez comment? Olokoto. Ah, vous appelez comment?
arrêtez de me dire Holocoto. Holocoto, je m'appelle Holocoto. Ah, attends, il s'appelle Holocoto. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Oh, mais pardon, pardon, je vais arrêter de rigoler. Bon, et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Kevin Kratto. Ok, Kevin Kratto, et toi, c'est qui toi? Mon nom est Shalokar. Shalokar, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Kevin Kratto. Vous leur faites subir quoi, vos hommes, Holocoto? C'est la prophétie, il faut tourner autour du feu, parce que Shalokar, il veut marier Mamako. Ah quoi? Ah c'est elle Mamako? Ouais. Et je t'ai entendu tout à l'heure, Shalokar, je t'ai entendu, Fredla, mais t'inquiète, j'ai ça pour moi. Mamako, vous êtes jolie aujourd'hui. Oui, oh merci beaucoup. Oula, c'est ma fille quand même. Oui, pardon, bon, oh mais arrête, Kevin, on est en version bizarre là, arrête. Bon allez, fini de rigoler, qu'est-ce que tu fais ici? Ils ont pris des lances. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, pas d'intrus dans le village, c'est tout ce qu'on a, c'est la première règle. Je viens en paix, je vais vivre avec vous parce que j'ai personne avec qui. Je vais devenir comme vous, je veux rejoindre la tribu. Tu veux rejoindre la tribu? Oui, exactement. De Holocoto? Ouais, je veux rejoindre la tribu de Holocoto. Car on a pas le choix. Est-ce que tu es sûr? Ouais, j'en suis sûr. Est-ce que tu veux rester à vie ou alors tu vas partir au bout d'un moment? Je vais rester à vie. C'est un mensonge, je vais rentrer à Color City. Mais ouais, je vais rester à vie. Si tu es prêt à rester ici à vie, il va falloir que tu deviennes un membre de la tribu de Holocoto. Ok, bah je suis prêt à vous suivre. Il va falloir passer quelques tests. Ok, bon, la chasse, j'imagine, c'est ça? Exactement. Bah, je peux avoir ma lance, moi aussi, du coup? Oui, tu as le droit d'avoir ta lance. Mais d'abord, tu vas devoir dire un truc. Dis-moi, je suis prêt à tout dire? Tu vas devoir dire, oui, Holocoto, je me soumets à toi. C'est quoi ce délire, là? Bon, j'ai pas le choix. Oui, Holocoto, je me soumets à toi, Holocoto. C'est bien, mon fils. Allez, tiens. Oh, parfait, merci beaucoup. C'est bon, les gars, j'ai ma lance. Bon, faut pas oublier que l'objectif, quand même, c'est de rentrer à Color City. Attends, mais d'ailleurs, j'ai entendu parler de votre tribu un peu, mais vous soutenez un peu la sorcière, vous, non? Vous pouvez la contacter quand vous voulez. Exactement, on la connaît, oui. Ok, mais pour ça, il faut un sacrifice, faut récupérer un peu et de... Oui, il faut un sacrifice humain. Ok. C'est vrai, c'est un sacrifice humain. Allez, c'est parti. Non, mais attends, mais... Ah, super. Il est super débile, Kevin Kratto, là. C'est super. Bon, allez, bon, j'imagine bien que du coup, le rendez-vous pour la chasse, c'est pour plus tard ou c'est maintenant? Non, c'est pour plus tard. Là, tu peux aller te reposer un petit peu. Ok, d'accord, ça marche, je vais me reposer un peu. Oh, arrête! Toi, va te reposer. Attends les gars, c'est bon. On va faire un petit récapitulatif. Ils sont super bizarres et dangereux en même temps. Surtout le Kevin Kratto, là, il m'a mis un coup. Bon, là, l'objectif, c'est qu'ils puissent nous faire confiance. Par la suite, on va essayer de sacrifier l'un d'entre eux pour appeler la sorcière, histoire qu'elle me ramène à Color City et qu'elle me redonne ma forme. Parce que là, bon, d'ici, je peux pas trop la contacter. Donc, on va s'en poser un peu et après, on partira à la chasse avec toute la tribu. Puis après, je vais entamer mon plan pour rentrer à Color City. The following day. Oh, qu'est-ce qui se passe, pardon, ouais. C'est l'heure de la chasse? Bah ouais, c'est le matin, tu vois bien le soleil là quand même. Ok, parfait, bon allez, je prends ma lance, je vous suis, je suis prêt. C'est le moment où le gibier est le mieux, est le mieux présent, quoi. Ok, bon, bah je vous fais confiance, je vous suis, allez-y, réunis toute la tribu. Allez, venez là, Holocoto, Holocoto. Holocoto, venez devant moi, c'est l'heure de la chasse. Ok, c'est la réunion, Holocoto. Allez, on y va. Ok, est-ce que vous êtes prêts à chasser le gibier? Oui, on est prêts. Oui. Allons, on vous suit, chef. Holocoto, je suis bien infiltré quand même là, je me sens bien. Bon, c'est par où? C'est par là-bas, j'imagine. Premier gibier, Holocoto. Holocoto. Bon, allez, j'y vais, je vais vous montrer mes preuves. Je vais faire mes preuves. Allez, hop là, on passe comme ça. Les gars, dans tous les cas, ils savent pas, mais je suis super fort. Regardez. Mais il est super débile, le petit Kevin Kratto là. Sortez doucement de l'eau. Doucement. Holocoto, passez devant, vous êtes le chef. Ok, Holocoto. Bien joué tout le monde. Holocoto. Holocoto, c'était vraiment bien. Ouais, parfait. D'ailleurs, c'est quoi ton petit nom à toi? Moi, je m'appelle Shadow. Shadow? Non. Holocoto, tu vas t'appeler Shadorako. Oh, quoi? Ok, bah... Oh, ça t'aime bien. Je suis plus Shadow, je suis Shadow quoi? Shadorako. Ok, Shadorako. À partir d'aujourd'hui, je suis Shadorako. Holocoto. Oh, gibier. Allez, c'est parti. Le gibier. Oh, allez, hop,
Oh le coton. Bon, allez, on va essayer de faire le tour. Normalement, est-ce qu'il y a du... Les gars, faut que je montre mes preuves, là, faut que je leur prouve que je sais faire des trucs aussi. Oh, il y a des gazelles avec des ours. Oh le coton, regardez, il y a des trucs là-bas. Oh le coton. Gibier très bon. Gazelle, il y a des ours par contre. Attention, il y a des ours. Je sais pas si vous avez peur des ours, vous. On n'a peur de rien du tout, nous, la tribu de Holocoto. Bon, bah, on attend le top départ. Je dois les accompagner. Ah, le top départ dans 3, 2, 1. Holocoto! Allez, c'est parfait. Ah, c'est bon, du coup, on a fini là, c'est bon, on a fini de chasser. Non, on n'a pas fini de chasser, on va chasser jusqu'à la tombée de la nuit. Quoi? Oui. C'est vrai, je suis d'accord. C'est des fous quand même, c'est quoi ce délire? Est-ce que vous avez faim, la team Holocoto? Est-ce que t'as faim, toi? Oui, Holocoto, oui, j'ai super faim. Ok, Shadoraku, je t'aime bien, toi. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est quoi ce délire? Je dois les accompagner jusqu'à la tombée de la nuit. Bon, j'ai pas le choix. Allez, Holocoto! Oh non, c'est couché du soleil, on est foutu! J'ai rencontré les monstres pour la première fois de ma vie, j'en ai jamais vu à Color City. Oh non, il y a déjà assez qui lui! Oh, c'est quoi ces créatures là? C'est des petits lapins! Salut. On va apprendre à vivre avec, c'est la tombée de la nuit, ils tombent, ils arrivent directement sur la ville. Bah, ils ont l'air gentils eux, mais attendez! Oh, il y a des petites fourmis et tout! Oh, mais par contre, les créatures vertes, faut les tuer là! Oui, il faut les tuer, ça s'appelle les creepers. Allez, Holocoto! Holocoto, c'est bon, parfait. Ok, wow, attends, mais il y a plein de trucs! Ils sont combien? Il y en a plusieurs! Va falloir survivre à cette nuit! Allez, Holocoto! Charokar, viens avec moi, j'ai un truc à te dire. Oui, Charokar arrive. J'ai entendu dire que tu voulais te marier avec Mamako, c'est ça? Oui, okay, très bien entendu. Si tu m'aides à sacrifier Kevin Kratou, je sais pas comment il s'appelle là, je vais t'aider à avoir Mamako, ok? Oh, c'est vrai? C'est vrai. Merci, gentil voyageur. Du coup, là, vous m'aidez juste à sacrifier cette nuit, on va essayer de le tuer, de prendre son corps pour le sacrifier, comme ça je peux appeler la sorcière. Et moi, je peux partir parce que j'ai pas envie de rester avec vous. Je te le dis à toi, ok? D'accord. Ok, parfait. Bon, tu vas être dans mon équipe du coup pour l'instant. Et il est super débile en plus, regarde-le là-bas. Delgrado! On va s'occuper de son capitaine, vas-y. Mais il est très dévoué pour Holocoto. Ouais, mais t'inquiète, on va s'occuper de lui dans la nuit. Vas-y, on sépare. Ok. Ah, mais c'est quoi ce monstre? Vite, vous qu'on l'attaque. Attaquez-le! Il faut juste le tuer. Allez, Kevin, attaquez-le! Bien joué! Bon, maintenant, hop là. Allez, vas-y, c'est bon, j'attaque. Mais vous faites quoi? Attends, vas-y, Charko, attaque-le, vas-y. Non, c'est pas possible. Occupe-toi de lui, vas-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Je l'attaque. Bien joué. Ok, bon, attends, fais genre t'es triste, comme ça ils arrivent et on fait genre qu'il a été tué par le vortex. Oh non, Kevin Lato. Non, ah, il fait quoi lui là? Bon, tiens, allez, non, je veux pas contre. Oh, c'est bon, parfait. Il est mort. Oh non. Il va falloir le brûler, je pense. Mais non, au pire, on pourra appeler la sorcière avec son corps, vu que c'est un sacrifice. Ah, c'est vrai, on peut faire ça comme ça, oui, effectivement. En ce terrible jour, Holocoto, Kevin nous a quittés. Holocoto. Sorcière, nous t'invoquons et nous te donnons ce corps. On lui donne le corps. En guise d'invocation. Mais enfin, je pourrais l'avoir. Holocoto. Allez, s'il vous plaît, la sorcière, venez. Allez, on attend que le corps se consume. Vite, qu'il se consume. Holocoto. Il s'est consumé, c'est bon. La sorcière va arriver, du coup, techniquement, non? La sorcière. Elle va arriver, par où elle va arriver? Elle arrive, elle est où? La sorcière. Oh, bougez pas tous là. La sorcière, viens avec moi. Restez là-bas, reculez. Reculez. Bon, la sorcière là. C'est très bien qui je suis, du coup, toi. Oui, je sais. Attends deux secondes. C'est lui qui a tué Kevin Kratos.
la sorcière. Quoi? Je te conseille de me transformer tout de suite en Shadow tout de suite. Oui, bon, d'accord. Allez, hop là. Abracadabra. Oh, oh, c'est bon, c'est bon. Je suis redevenu. Bon, maintenant, descends du balai. Je vais aller à... Sinon, ramène-moi à Color City. T'as de la chance. Ah, c'est bon. Mais je vais te retrouver à Color City. Je m'en fous. Bonne chance. Allez, gars, c'est bon. Non. Bien. Tous les Indiens sont contre moi. Non. Bien. Allez, bon, du coup, si je me rappelle bien, Color City, c'est vers là-bas. Bon, allez, direction Color City. Ah, c'est bon, je suis de retour à la ville. Regardez-moi ça, ils sont emballés. Oh, les traîtres, ils sont là. Oh, les gars. Non, Shadow. Mais qu'est-ce que... Quoi? Oh, c'est pas possible. Pose-moi là, bon, sale traître là. Tout à l'heure, j'étais en voleur, tu m'avais pas aidé quand je vous ai dit que c'était moi et vous m'avez pas cru. Mais le voleur là, le voleur trop moche là. Mais c'était moi, je vous dis que c'était la sorcière qui m'avait transformé, vous m'avez pas cru. Bah, je suis désolé, Shadow. Vous m'avez banni de la ville et j'ai vécu avec des Indiens pendant au moins plusieurs jours là. T'as vécu avec des Indiens? Bah oui, longue histoire, laissez-moi tranquille, longue histoire, c'est bon, j'ai plus envie de vous parler là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup trop de choses, Kevin.